C'est bon, je recommence. Salut les mecs, salut les bolos et les ringards et bienvenue sur un nouveau stream. Voilà, on va jouer avec Zach à Alien Soldier. Je vais faire découvrir à Zach Alien Soldier sur Mega Drive. Comment tu vas mon Zach? Salut mon Jay, bonsoir à tous. Bah écoute, ça va, super. Et sur Alien Soldier, comme je te disais, bah je le connais qu'en surface pour l'instant. Ouais. Alors, donc ça va être cool. Voilà, justement les gars, là ça va être un stream un peu spécial hein, parce que du coup, la semaine dernière, bah, Zach m'a fait découvrir Toadjam & Earl sur Mega Drive. Mais bon, c'est un jeu où on pouvait jouer à deux. Alien Soldier, ça se joue que tout seul. C'est un jeu que je connais bien. Je vous ai fait la review sur la chaîne. Je l'ai terminé. Donc Zach, connaissant quasiment pas le jeu ou très peu, eh bien, je vais lui faire découvrir en live. C'est lui qui va jouer. On va le regarder jouer. Je vais le coacher. Je vais lui expliquer un petit peu les mécaniques de gameplay, tout ça. Et voilà, bah voilà le stream, comment il va se passer. Alors, oulala, je remonte loin dans le chat. Salut mon Loïc, mon Iceman, Julien, Benjamin, mon Jérôme, mon Ridic, Guy Brouche, Chibro. Voilà, alors, le Zach, il est dans le chat. Mon Gianni, Dark Twins, voilà, mettez-vous bien, moi je suis au coca. Donc, salut mon Hack, Jack Sidious. Voilà, mon Nico, Toc, Julien, comment que ça va les mecs, Alf96, Endo. Voilà, regardez, j'ai la SNES US par terre, hein. J'ai joué à Robocop versus Terminator. Une partie de l'après-midi, j'ai enregistré un gameplay. Salut Limonet, salut Echo Warrior. Je suis sur le Batman et Robin aussi, les mecs. Enfin, pas Batman et Robin, Batman Forever. Mon Fixo, oh. Salut Squall, Cyberdad. Alors DJX adore le stream des balives d'hier vu en décalé, ouais. Ah bah oui, mais là, on a passé un bon moment hier, c'était cool. Toc, et bien voilà, on a récupéré le stream. Salut mon Camel SNCam, comment que ça va? Salut Julien. Alors toc, la phase de gameplay, elle est là. Donc on va jouer avec la version Jap. Mais avant de commencer, on va jeter un petit coup d'œil à la presse, à la boîte. Voilà, je remonte la boîte les mecs. Parce que ça, donc c'est un jeu que je possède en PAL. Il est sorti en PAL, il est sorti en japonais. Il est pas sorti en américain. Voilà, tiens, bah mon Zach, comme ça, si tu regardes le stream en même temps, ça te permet de voir la... Ouais, je vois la boîte, là. Voilà, la cassette, on va jeter un coup d'œil à la presse. Alors, quand j'avais fait ma review à l'époque, j'avais pas le top console. Voilà, le top console, il était pas sur Abandonware. Et c'est dans le top console numéro 1. Et là, je l'ai, donc du coup, on va incorporer le top console. Voilà, donc la notice, assez classique, hein, les mecs, c'est du noir et blanc. Voilà, mais bon, elle explique aussi, hein, bien ce qu'il faut faire. Alors, du coup, on va passer ici, on va rejeter un petit coup d'œil à la presse d'époque. Regarde mon Zach, le Console Plus, on est en avril 95, hein, c'est tardif, pour de la Mega Drive. Donc Elvira qui dit oui, intérêt 88, c'est un bon shoot'em up pour la Mega Drive, composé à 90% de boss. Mais vous allez voir les mecs, c'est un truc de fou. Hein. Un shoot'em up? Ouais, bah à l'époque, hein, tu sais, c'était pas les mêmes termes qu'aujourd'hui. Hein. Voilà, bon, ah oui, c'est un run and gun, le Alien Soldier. Ouais, c'est un run and gun boss rush, on va l'appeler comme ça, vous allez voir, il est ultra vénère. Donc 88 à console plus. Ici, joypad, alors attends, oulala. Toc, où il y a des petits lags. Il y a des petits lags, je vais faire adapter à l'écran, voilà. Oulala, ça rame. Donc 81 à joypad, ah ouais, les ça mecs. Lag, oui, ouais, ça lag, oui, ouais. Ouais, ça lag là, oulala. Oulala, ça lag de ouf là. Ouh là 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 là, alors attends. On va baisser le son peut-être. Bon attends, je vais quitter mon Zach, on relancera le jeu après hein. J'espère que ça marchera après. Ouais, tranquille, vas-y. Ah. Tranquille, vas-y. Attends. Je quitte aussi. Ouais, parce qu'il déconne là, voilà. Ok, alors, salut mon Clément. Donc on disait, hein, vous voyez, 81% à joypad. Le choix de la vitesse du jeu, tout ça. Son jouabilité 15. Voilà, maniabilité 19, hein. Ouais, c'est ça, maniabilité. Animation 18, graphisme 16. Mais 81 seulement parce que c'était genre un peu boss rush, tu vois. On a perdu le stream. Ça marche là ou pas, les gars? C'est bon là? Alors, on a CD console. Sinon, voilà, potentiel 4, son 2, graphisme 4. Voilà, jouabilité, créativité, tout ça. Je vais zoomer un peu. Voilà, tout ça, vous les retrouverez, hein, vous les retrouverez dans mon test hein, sur la chaîne. Hein. C'est bon, les gars? Voilà. Salut, mon Alf! Comment que tu vas, mon Alf? Salut à tous, les mecs. DB Wars! Comment que tu vas? Bon, j'espère que ça va marcher le stream après. Player One, sinon. Player One. Voilà. Oulala, c'est pareil, c'est en ultra zoomé. Alors attends, bouge pas. Adapté à l'écran. 94, hein, c'est... Ouais, c'est Chris qui l'avait testé. Hein. Voilà. Toc, 94%. Donc, on voit une presse assez élastique. Hein. 94, 81 chez l'autre, là.
Et en dernier, le top console. Alors, du coup, c'est la photo de mon magazine hein, que j'ai mis sur, sur Abandonware. On l'avait regardé ensemble, les gars. Ici même en stream. Salut mon JB, Nikuman, comment que ça va les mecs? Donc 17, hein. Voilà, bonne note graphisme. 18, animation 19, tout le reste 17 quasiment. Voilà pour la presse, les gars, de ce petit Alien Soldier. Ben vas-y mon Zach, oui, bah re-challenge-moi du coup. Voilà, rebalance. Mon Benji, comment il va mon Benji? Golgoth, salut Golgoth, comment que ça va les mecs? Bon alors, j'espère que ça a marché, sinon bah au pire, je vais relancer le stream... On va relancer le stream au pire, on va baisser un peu la qualité d'image. Mais bon, c'est en temps normal, ça marche pas mal. Salut Phil Roby. Avec Gusta Heroes, ouais, Alien, Alias Radiagoon, Atomic Runner, ouais, bah oui, non mais... carrément. Alors, ok, donc là, le jeu, il est revenu. Voilà, le jeu est revenu, c'est bon. Ok, allez, donc ça, c'est Zach qui va jouer, les gars. Voilà, ça se joue tout seul, hein, évidemment. Donc Zach, tu lances le jeu quand tu veux, c'est la version Jap. Normalement, la version Jap, elle est identique hein, à la version PAL, à part le 60Hz. Donc, va faire un tour dans les options, donc tu te mets en Super Easy. Voilà, la différence, Super Easy, Super Hard, le jeu, le contenu, c'est le même. Il y a 25 boss en tout. Et, alors, attends, bouge pas, Zach. Hein. Donc, il y a 25 boss, il y a quelques petits mobs, des fois, entre les boss. Et, donc, en Super Hard, on a droit à 3 crédits, les boss sont plus résistants. En Super Easy, on a crédit illimité et du coup, les boss sont un petit peu moins résistants. Alors, mon Zach, ici, tu es à l'écran de sélection des armes. Tu peux choisir, ouais, ouais. Tu peux choisir 4 armes. Tu peux choisir même 4 armes identiques. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre le Homing Force. Voilà, t'en prends un. T'en prends au moins un. Ensuite, tu prends va sur le Lancer Force, là. Voilà, tu prends le Lancer Force. Voilà, ok. Donc, le Lancer Force, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Là tu peux faire des DPS de fou sur les boss. Mais faut bien viser hein, parce que les boss ils ont des points faibles les mecs. Benji quand un jeu Neo Geo se trouve sur Mega Drive. Non mais c'est un truc de fou les mecs hein. Ensuite tu peux prendre le Ranger Force si tu veux. Pour déblayer les petits le boss. Ranger Force voilà ouais. Et puis en quatrième je te reconseille de reprendre un autre Homing Force. Voilà le Homing Force un autre, ouais, c'est bon. Voilà c'est le lance-flamme qui va automatiquement sur les ennemis. Alors que je t'explique mon Zach, donc tu vois en haut player, t'as ta barre, ça c'est ta barre d'énergie, ta barre de vie. Là elle clignote, ça veut dire que t'es full life. Donc quand t'es full ouais. life, en fait tu peux faire un dash et le dash il va servir d'arme. Et ça va être une arme extrêmement puissante, tu peux faire des dommages de ouf au boss. Alors vas-y, essaye les boutons, normalement le bouton A c'est pour tirer, vas-y essaye. Parce que là tu peux jouer là. Ouais. Là tu peux jouer, voilà c'est bon. Voilà, alors le A, voilà, alors voilà, voilà. Le A, weapon select, alors... Donc ça fait apparaître la roue des armes. Donc tu vois, tu peux... Mais le problème c'est que tes armes elles ont des munitions. Tu vois, vas-y prends une arme et tire avec. Tire, vas-y tire. Tu vois par exemple force ouais. Tu vois, et là t'as 960 sur 1000. Donc ça, attention, bien prendre ce détail en considération les gars. Que les armes ont des munitions. Salut Herbert, salut à tous les mecs hein. Pour tous ceux qui arrivent. Donc le B tu tires, le C tu sautes. Et alors quand tu rappuies une fois sur le C mon Zach, tu t'immobilises en l'air. Voilà, tu vois. Ouais. Et là, ça, voilà, t'es immobile. Donc ça te permet de, des fois, de t'échapper à certaines situations. Alors, voilà, sinon, vas-y, mets-toi au sol, Zach. Vas-y, tire et bouge en même temps. Tire et bouge en même temps. Donc là, voilà, on voit que tu peux pas avancer et tirer en même temps. Alors si tu fais bas et A, ça va changer le mode shoot. Voilà, tu vois, ton bonhomme change de couleur. Vas-y, maintenant, tu tires et tu bouges en même temps. Voilà, t'as vu, là, tu peux bouger et ça lock la position. Voilà, donc si tu veux un jeu normal, voilà, tu te mets en blanc. Et si tu veux reculer et tirer en même temps, tu fais bas et A vite fait. Alors, le zéro téléporte. C'est technique, hein. Ah, c'est ultra technique, hein, tu vas voir. Ouais. Alors, le zéro téléporte, bah oui, ce que je dis. Ouais, je disais que le jeu, genre, était en 6 boutons, mais non, en fait, il est en 3. Hein. Donc, tu fais bas et C. Bas et C, c'est le... Vas-y, fais-le. C'est le dash. Bas et C. Ouais, voilà. Alors, tu vois, là, t'as fait un... Bah, voilà. Donc ça, là, le dash, mais c'est ultra primordial de maîtriser cette caractéristique de gameplay, mon Zach. Donc tu vois, t'es plus full life maintenant. Tu vois, parce que quand t'as fait le dash, ça t'a utilisé un petit peu d'énergie. Mais alors, attention, là, quand t'es full life et que t'as le boss devant toi et que tu fais le premier dash, là, t'as vu que t'étais un peu enflammé, là. Là, tu fais des dégâts de ouf. Sinon, vas-y. Tu lui arraches ta barre de vie, ouais. Ah ouais, carrément. Mais sinon, tu peux faire des dashs à volonté. Donc, tu vois, par exemple... Non, parce que j'avais vu Moai jouer un petit peu, donc j'ai un petit peu les notions, mais vite fait, en tant que spectateur, tu vois. Alors, l'archer, ouais. Allez voir la vidéo de Zach sur YouTube, il met Mr. Nuts en PLS, ouais. Alors, justement, on va faire un stream ensemble, hein, Mr. Nuts, on le fera.
On le fera plus tard. Salut Nigel. Alors vas-y, ressaute et appuie sur C, tu vas voir. Ouais. Voilà, t'es bloqué. Et là, tu peux faire le dash aussi. Hein. Tu fais pas essayer. Voilà. Tu peux le faire n'importe quand, le dash. Le dash, il te consomme rien. Le dash, c'est primordial d'utiliser cette caractéristique de technique. Pour ça que, voilà, t'as vu, t'as une mobilité de ouf. Hein. Tu passes de. Ok, ouais, je vois ça, oui. Tu passes d'un bout à l'autre de l'écran en même pas une seconde. Alors sinon, dernier truc, t'as le counter force. Tu vois, quand tu fais deux fois B. Fais deux fois B là. Deux fois B. Voilà. Tu vois, ça fait cette espèce de petite explosion au corps à corps. Donc ça, en gros, c'est une parade. Donc en gros, quand un ennemi, quand tu vas avoir un mob en face de toi, tu peux le buter en faisant deux fois B et il va dropper de l'énergie. Ça va être des petits carreaux lumineux. Donc ça, c'est très important hein, entre chaque boss, eh bien de se recharger grâce au counter force parce que du coup, ça va pouvoir te permettre de remettre de la vie et donc potentiellement d'activer ton dash puissance 1000. Tu l'auras compris. Sinon, quand on va te tirer dessus, mon Zac, alors là, t'as deux solutions. Donc soit tu fais un dash. Le dash te permet de traverser les balles. Voilà, il n'y a aucun problème, c'est comme une roulade à Dark Souls, hein, c'est la même chose. Sinon, tu réflexes, tu fais deux fois B, et ça va transformer voilà. Tous les projectiles ennemis en carreaux de vie. Donc très voilà, important. C'est toi, en fait, c'est soit tu les évites, soit tu convertis ça en énergie. Voilà, absolument, donc des fois, il y a des boss, d'accord. Tu vas voir, ils vont tirer dessus, et bien en fait, tout leur tir, tu vas pouvoir les transformer, quoi, voilà. Benji, tu prends combien de l'or, ma poule, pour le coaching? Mais zéro, on le fait même en live, regarde. Donc voilà, mon Zac, t'es prêt? Alors là, regarde, tu vois, t'as plus de munitions. Tu vois, t'es à 0 sur 1000. Tu peux plus tirer. Donc là, t'es obligé de changer d'arme. Alors donc, tu vas buter un boss, ensuite, tu vas avoir une petite phase run and gun rapide. Et c'est là qu'en général, tu peux changer d'arme. Tu vois, c'est-à-dire que des fois, on va avoir des capsules d'armes. Donc soit tu vas pouvoir. Les capsules d'armes vont tourner sur elles-mêmes. Donc soit tu peux reprendre la même arme et te recharger en munitions, ou soit tu peux changer d'arme, tu vois. Alors sinon mon Zac, autre conseil, en appuyant sur A, tu fais apparaître la roue des armes, voilà. Donc si ce changement d'arme perturbe un peu, tu peux regarder en haut à droite de ton écran. Tu vois, c'est plus instinctif pour changer les armes, t'as vu? D'accord. Voilà. Bah voilà, pour le gameplay, on a fait le tour. Salut Oli Covid. Donc là, alors, par curiosité, vous avez quoi comme connexion débit en Tunisie? Là, j'ai l'ADSL 10 mégas, Chibon. Je suis en ADSL 10 mégas, les mecs. J'ai une question. Ouais, vas-y. Quand tu prends une arme, il dit power up. Est-ce que ça augmente la puissance de ton arme ou juste tu changes d'arme et puis c'est tout? Non, alors, soit ça change d'arme. Voilà, si c'est une arme différente, ça va changer d'arme. Si c'est la même arme, ça va te remettre des munitions. Voilà, mais ça va pas. Mais ça va pas augmenter la puissance de ton arme, ça va juste recharger. Ça va juste recharger. Et regarde, t'as le homing force. Tire avec. Vas-y, tire avec. Voilà, t'es dessus. Vas-y, tire avec. Vas-y, maintiens. Vide les munitions. Et tu vois, regarde. Tu vois, il perd en puissance au fur et à mesure. Il perd un petit peu en. En force. Ouais, il perd un petit peu en force. Alors là, ce tir-là, c'est le tir que je recommande parce qu'en fait, il va automatiquement sur les ennemis. Et ça. C'est du homing, ouais. Ouais, c'est du homing, ça va automatiquement sur les ennemis. Sinon, prends le laser là. Prends le Ranger Force là, l'autre là, celui-là. Alors, celui-là, par exemple, le premier boss, ça va être un vert. Si jamais. Donc, faut tirer dans sa tête. Si jamais t'arrives à tirer dans sa tête avec cette arme, là, tu vas lui faire des dégâts de ouf. Donc, t'as l'autre petite arme là, vas-y, la troisième là. Je crois que c'est le Ranger là. Voilà, celui-là, voilà. Donc, ça, pour déblayer les petits mobs, c'est bien. Ça fera pas beaucoup de dégâts, mais pour déblayer des petits ennemis random, c'est bien. Donc ça voilà, c'est entre les boss en fait. Hein? D'accord. C'est entre les boss en fait ça. Ouais, ça tu l'utilises entre les boss. Voilà. Tu peux l'utiliser d'accord. Pour les boss, mais elle sera pas trop efficace quoi. Voilà. Bah là on est prêt. Okay. On est prêt, on va pouvoir y aller. Donc c'est parti. Bon bah voilà. J'appuie sur start, c'est bon, on est parti. T'appuies sur start, ça lance le jeu. Allez. DB Wars, trop de manip pour se rappeler des coups. Ouais, mais tu vas voir, c'est assez instinctif. Hein. Donc garde cette arme là, voilà. Garde cette arme là au début. Voilà, donc là tu vois, c'est les petits carreaux d'énergie. Voilà, c'est bien, t'as même cancel son tir là. Tu vois. Voilà, puis tu vois, en fait, tu peux. Quand tu appuies sur C en l'air, ça te bloque, et en fait, c'est même un double saut, tu veux. Voilà, t'as vu le voilà, tu vois le dash là, enfin le double B au corps à corps, tu peux one-shotter quasiment tous les ennemis avec ça, hein, t'as vu. Et ça convertit, tu vois, même le gros sac là. Même les bombes, hein, tu vois, les bombes qui t'envoient. Les bombes qui t'envoient, tu peux les cancel, hein. Tu peux tout cancel avec le double B. Voilà, vas-y, fais le dash. Fais le dash sur lui, mon Zac là. Le bas LC là. Ah, ça y est, tu l'as perdu. Voilà, ça a été full life là, c'est bon. Vas-y, avance un peu, tu vas arriver au premier boss là. Vas-y, dégomme-le lui. Voilà, alors là, ouais, c'est bon, reprends de la vie là. Ah oui, alors tu peux marcher au plafond aussi, hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc, moi, prends le homing force. Prends le homing force pour le premier boss, voilà. Voilà, donc là, tu y tires dessus. Tu vois là, il t'indique son point faible. Reste bien dans un côté. Voilà, tu te lock en l'air. Et dès qu'il s'approche de toi, tu dashes. Non, lui fonce pas dessus.
Luc, ouais, ouais, faut que je le prenne un petit peu en main, mais c'est pas grave, ça va aller. Il faut vraiment être à distance. Il faut vraiment que tu restes à distance, ouais. Salut, Sabor. Alors, attends. Je choisis quoi comme arme? Le homing? Alors, ouais, tu prends le homing, tu prends le lanceur fort, tu prends le ranger et puis tu reprends un autre homing, c'est bien. Ça, c'est bien pour démarrer. Ok. C'est pas mal comme concept de stream, je vous fais découvrir. Bah oui, c'est cool, tu vois. C'est cool, même pour vous, les gars. Alors, le sprite a un peu à la Hitman sur Neo, mais carrément, SNK, ouais, carrément. Donc là, les gros lards, hein, voilà, les gros lards comme ça, là, les bleus, là, soit tu leur dashes dessus, mon Zach, soit tu t'approches, voilà, tu t'approches et puis tu fais un double B, hein. Double B, et puis ça dégomme tout, hein. Voilà, alors le problème, t'as été bloqué. Même les bombes, tu peux les cancel, les bombes, hein. Voilà, tu peux les cancel. Tu peux tout cancel, même les petites mines, hein. Voilà, avance un peu, c'est bon, là, t'es full dash, ok, très bien. Très bien, t'as déjà plus d'armes là. Change de bastos, voilà. Prends ça, t'attends un peu. Dès qu'il peut bouger, tu y fonces dessus avec ton dash. C'est bon là. Là, tu lui as fait un DPS de ouf là. Voilà, c'est bon. Donc là, prends le lance-flamme et tire de loin. Voilà, et voilà, t'as pigé mon Zach. Voilà, reste loin. Voilà, faut faire gaffe, il bouge, il est assez mobile, hein. Excellent jeu, ce Magira, même s'il faut du skill. Il faut du skill, hein. Ça c'est clair, les mecs. Donc, attends, il est où? Il est off-screen, il est à gauche là, il va revenir. Voilà, ah oui, mais 3 heures. Voilà, essaye de le toucher du bout de ton lance-flamme. Ça va, tu le touches là, hein, t'es bien. Voilà, et surtout être très mobile. Voilà, t'as tout pigé, mon Zach. Voilà, donc en fait, tu vois, le double B et le dash, ça c'est les clés. C'est les clés, les mecs, pour gagner Alien Soldier. Passer de Hugo Délire à téléphone à Luke sur Twitch, il y a un gap. Ah bah c'est bienvenue dans le futur. Allez, c'est bon, il est presque mort. C'est bon, tu l'as eu, mon Zach. Premier boss. Voilà. Donc là, tu vas avoir une petite phase run and gun. Bah, pour te. Voilà, reloader tes. Voilà, tes armes, tu changes d'armes et tout, voilà. Tranquille. Tu butes tout le monde. Voilà, t'as vu, là, tu l'as acheté les bombes, là. Voilà. Mets-toi au corps à corps, hein. Tu peux le faire au corps à corps aussi, hein. Il va prendre cher. Voilà, avec le double B, hein. Voilà, là, t'as pris une capsule de power-up. Ça t'a rechargé directement ton dash, là. Enfin, ta vie plutôt. Ta vie égale ton dash, quoi. Salut, Titouille! Oui, tu sais, c'est la version NTSC. Ouais, c'est la version Jap, hein. Mais la PAL, c'est la même, les mecs, hein. Même quand on la met en 60, c'est la même. Voilà, garde bien ton dash. Alors, voilà, reste bien. Voilà, dès que ça va commencer, voilà, fonce dessus. Voilà, impeccable, là, il a pris cher. Là, faut viser la tête, mon Zach. Tu vois, son dégueulis, tu peux le cancel avec le double B. Tu peux le cancel avec le double B, ça te remet plein de vie, quoi. Là, faut viser sa tête. Voilà, ouais, c'est bon, là. Double B, tu vois, double B, là. Quand il tire dessus, réflexe. T'as plus d'armes, change d'armes. Voilà, t'as vu, la gestion d'armes, c'est compliqué, hein. Voilà, c'est bon, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Voilà, laisse le. Mais t'as vu l'animation et tout, c'est un truc de ouf, hein. Voilà, super, t'es super mobile, c'est bon, tu l'as eu. Voilà, c'est bon, bah tu vois, tu commences à piger le. Tu commences à piger le concept, mon Zach. C'est un peu chaud quand même, hein. Ah, bah oui, non, mais c'est. Ah, bah il est compliqué, hein, il est compliqué. Alors dès que tu en vas voir une capsule d'armes, avant de la prendre, tu regardes les armes où t'as plus de munitions. Voilà, passe-le lui, tu fais un dash. Là pour le moment t'en as pas là. Voilà, tu vois en fait le. Voilà, t'en as une. Alors vas-y, regarde, ouais, ok. Ouais, bah là t'as rechargé ton ranger, donc c'est bon là. Ok. Alors lui il va te faire chier. Prends le lance-flamme, homing. Voilà, prends le homing, voilà, tu vas le toucher là. Voilà, tu le touches là. Vas-y, continue. Voilà, dévie ses balles. Voilà, c'est bon, tu l'as eu. Tu vois, faut dévier. Ça c'est un. Voilà, power up. Voilà, là ça te met full dash. Les gars, on a perdu ce charme de dés de maintenant. Mais putain, mais ils sont où les jeux comme ça aujourd'hui, putain? Voilà, reste bien en l'air, c'est bien. Donc là, son point faible, voilà, c'est la tête. Donc là, attention, son épée, il peut se protéger avec. Mais là, le dash, tu passes tout, hein. Donc vas-y, fonce-lui dessus, voilà, c'est bon. Là. Donc là, l'astuce, mon Zach, c'est rester derrière lui. Voilà, t'as tout pigé. Voilà, c'est bon, bah tu dash. Passe derrière lui, tu dash, voilà, c'est bon. C'est bon, mon Zach, t'as tout pigé. Alien Soldier, c'est Meron and Gun sur Mega Drive. Ouais, il est vénère. Hein. Il est bien. Entre lui et Gunstar Hero, il y a match, mais. Parce que celui-là, c'est un boss rush, hein. Ça plaira pas à tout le monde. Mais techniquement, c'est le meilleur jeu Mega Drive, il n'y a pas photo. Hein. Vas-y, Monza, voilà. Il laisse le faire avec son épée, tu vois, il fait un peu le kéké. Tu peux tenter ton laser, hein, si tu veux. Tu peux tenter de viser la tête, il va prendre cher. Voilà, t'es pas dessus, là. Voilà, c'est bon, là. Ouais, bien joué, tu l'as eu. Ouais, tu l'as touché, il a pris cher, là. Ouais, il prend cher. Voilà, tu l'as eu. Ah, le laser, ça fait trop mal. Hein. Ça fait mal. Ouais, tu peux changer le style de visuel en haut. Hein. On peut mettre des barres de vie. Appuie sur Start, mon Zach.
Ah voilà, alors attends, voilà, tiens, autre détail important. Oui, regarde, t'as vu? Quand, alors, speed. En super easy, t'as le speed, là, on est en niveau 1. Donc, c'est vitesse normale. Appuie sur droite, mon Zach. Tu vois, là, tu te mets en niveau 2, niveau 3, niveau 4. Ça ralentit le jeu. Les gars, ça ralentit le jeu. Voilà, ça, tu l'as pas en super hard. Tu vois, mon Zach? Donc, si tu trouves qu'il y a ça te permet d'analyser tout. Voilà. Si t'as un combat de boss qui est un peu trop frénétique et puis que tu veux prendre le temps d'analyser le pattern et tout du boss, et bah, tu peux baisser la vitesse du jeu. C'est un truc de malade, ce jeu. Non, mais le game design du jeu, les gars, purée. C'est un truc de malade. Le jeu, c'est une réflexion de ouf. Fais le W sur les petites mines, mon Zach. Voilà, comme ça tu vas les éclater. Fais un dash à travers, voilà, prends l'arme. Ah, t'as changé d'arme. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Tire, c'est une nouvelle arme que t'as là. Puisque c'est celle-là. Oh, j'ai 7 points de vie. Ouais. Alors, parce que je sais qu'on peut changer le visuel, hein. Ça, je sais plus. Ouais, voilà, tu le dévies avec le B. Passe à travers le dash, hein. Fais un dash, hein. Bon, voilà, pour changer. Tu vois les mines, hein. Voilà. Salut, Croatoine, comment tu vas? Voilà, profite bien pour reprendre de la vie. Et tu vois les petites mines, hein, tu peux les dévier, hein. Voilà, ça pour le boss. Le boss suivant, tu vas voir, tu peux lui faire très mal en lui déviant les mines. Je vais me faire éclater, là. Ouais. J'ai pas de vie. Ouais, mais t'inquiète, même si tu meurs, tu vas reprendre après, là. Salut, Manuti, comment tu vas? Alors, reste bien à gauche, pour ça. Lui, il va pas bouger, normalement. Tu vas voir, il va envoyer des mines. Il va falloir que tu les renvoies sur lui. Voilà, tu vois, les mines, elles sont là. Voilà, il va balancer des insectes aussi. C'est bon, passe derrière lui, là. Si, il va bouger, finalement. Oh, mince. Ouais, ça y est. Donc son point faible, c'est son cul, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc voilà, continue, donne un mot de passe, tout pareil. Alors, on a dit ça... Ouais, tu peux reprendre les armes. Ah oui, c'est status Windows, on va changer ça. On va changer, là. Voilà, tu mets type 1. Tu vois, là, c'est des numéros, là. Des numéros, voilà. Donc là, type 1, c'est bien, parce que du coup, tu vois, donc tes munitions, c'est les petits points bleus, tu vois. Ta barre de vie, ça change pas. Et du coup, la barre de boss, c'est une vraie barre d'énergie. On verra mieux, là, comme ça. C'est mieux que des numéros. D'accord. Voilà. Ça marche. Donc c'est bon, tu peux y aller, mon Zach. Voilà. Et regarde, il y a même un tuto pour apprendre à jouer au début et tout, c'est énorme. Donc t'inquiète, tu reprends au même boss, hein, mon Zach. Hein. Ouais, super, ok, ça marche. Voilà, on est en super easy, donc c'est bon. Passe les mines, voilà, fais du dash, voilà, tu te fais pas chier. Tu canardes de tout, voilà. Les mines, faut les avoir comme ça. Hein. Voilà, déblaye les mobs, pour te remettre de la vie, voilà. Donc tu vois, très important, tu vois les petites mines, hein, il faudra que t'essayes de les renvoyer sur le boss. Ça va lui faire extrêmement mal. Voilà. Il y a d'autres persos, non, il y a celui-là, hein. Il y a que celui-là. Reste bien à gauche de l'écran dans un premier temps. Non, tu vas pas le toucher. Prends le lance-flamme. Prends le homing, mon Zach. Voilà. T'attends un petit peu. Reste pas en l'air. Reste au sol. Tiens, tu vois, il tire dessus. Annule ses tirs avec le double B, là. Quand il avance trop, tu dashes. Ouais, bien joué, là. Passe dans son dos, là. Voilà, et vas-y, tu le shoot, là. Voilà, envoie les mines, vas-y, là. Ouais, c'est bon, tu as touché. T'as vu le carreau, là? Ouais, deuxième fois, t'as vu le carreau? Oh, voilà, putain. T'as vu, wow. T'as vu, wow. Comment tu le déblayes là? Repasse dans son dos, il arrive là. Voilà, et là tu le canardes avec ton lance-flamme, tu vas l'achever là. Voilà, c'est bon là, il est mort, c'est bon, ça y est, tu l'as cuit. T'as vu les dégâts qu'il a pris avec les mines? C'est un truc de malade ce jeu, putain, je vais kiffer, je crois que je vais pas tarder à le faire, sérieux. Mais il est exceptionnel. Je vais pas tarder à le faire, super. Il est exceptionnel la game soit. C'est pas pour tout le monde, hein. Les gars, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord. Mais le jeu, il est extra, quoi. Il est extra, quoi. Vas-y, reload-toi bien, fais du dash, passe à travers, t'es presque mort. Là. Voilà. Mais c'est que du réflexe, hein, mon Zach. Hein. Tiens, t'as pour te recharger les armes en haut, si tu veux. Hein. T'as une arme cachée en haut, mon Zach. Là. Voilà, là-haut. Là. Voilà, dès que tu vois le ranger. Vas-y, stop. Voilà, c'est bon. Voilà, t'as deux carreaux de touche, là. Donc c'est cool. Voilà, t'as repris un peu de vie. Alors, ce boss, j'ai oublié, c'est qui, là? C'est moi ou ce monstre qui attaque avec son zob, ouais. Oui, c'est possible, ouais. Ah, prends le lance-flamme. Parce que du coup, son point faible, c'est la tête. Ouais, ou c'est le cœur, voilà. Alors là, là, tu vois, il va balancer des petits crabes. Donc profite-en, mon Zach, pour buter les petits crabes, te remettre de la vie. Te remettre de la vie, et puis charger ton dash. Et dès que tu vas être full dash, tu y passes à travers. Ouais, je sais pas s'il va dropper de la... Non, il drop pas de la vie, c'est... Non, ça drop pas de la vie, là, ouais, les petits crabes, non. Ah, tiens, voilà, tu vois les petites bulles qu'il a envoyées, là. Ça, tu peux les cancel. Oulala, qu'est-ce qui se passe? Voilà, toi, tu la cancel, c'est bon, là. Voilà, cancel tout, là. Voilà, récupère la life, c'est bon, là. Vas-y, fais un dash, voilà, reste loin. Les boss, faut toujours rester loin, hein. C'est pour ça que le homing, il est génial, hein. Mais il y a des boss qui sont plus sensibles à certains types d'armes, hein. Donc il faudra que tu changes à un moment, hein.
Ouais, ça a pas l'air de lui faire très mal, ça, je sais pas. Si ça marche, hein. Non, mais c'est normal, tu y fais des dégâts de manière normale avec cette arme, donc là, y a pas de problème. Tu peux Tu peux tenter une autre arme si tu veux, mais là, je te fais confiance, c'est bon, hein, Dès que tu vas voir ses tirs, réflexe, tu parades double B. Parce que là, il faut que tu te remettes de la life, là. Voilà, change d'arme, t'as plus de bastos, ça. Voilà, ok. Rodage, ouais, t'es pas mal. Allez, avec de l'endurance, tu vas l'avoir. Ouais, t'es pas loin, mon Zach, hein. T'es pas loin. Non mais le jeu il est extra varié les mecs hein. Voilà, fais un dash, tu vas l'avoir mon Zach. Il est à deux doigts de crever, tu vas l'avoir, c'est bon, tu l'as eu. Voilà. Ah putain, c'était chaud. Ça s'est joué à un cheveu hein. Il a l'air dur, crever, il est dur hein, il est dur. Non, il est dur. Ah c'est chaud ouais. Non mais faut s'y habituer aussi hein. Bien sûr, c'est comme tout. Ah, approche-toi de lui, fais un double B sur lui. Ça va, ouais, tu vas le niquer direct. Hein. Tu vois les gros lards comme ça, là, tu fais un double B. Un double B, ouais, ok, ça marche. Voilà, normalement tu le niques. Hein. Voilà, même toi là, tu lui as envoyé une mine, donc c'est bon là. Voilà, ouais, c'est bien. Envoie-lui les mines. Ouais, non, tu le touches pas. Voilà, tu vois, en fait, en lui renvoyant la mine, tu le one shot. Hein. Voilà, t'as vu, tu l'as one shot. Voilà, c'est bon là, tu t'es reload. Voilà, très bien, impeccable, t'es bien là. T'es pas full life, mais t'es pas mal. Alors, sort de score d'Aril, on t'a reconnu. Hein. Oh, celui-là, ça va, il est pas furieux. Tu tires, voilà, t'attends un peu. Tu tires et puis tu fais des dashs, t'esquives. Les gars, c'est Dark Souls, hein. Alien Soldier, c'est Dark Souls avant l'heure. Tu vois, il a pondu un œuf là. Voilà, alors là, tu le cancel. Cancel avec W. Voilà, tu vois, c'est bon là. Parce que toi, il tire dessus après, là. Tes petites merdes. Voilà, ah d'accord, c'est les petites boulettes, ok. Ouais, cancel, c'est moi chercher à aller sur eux, en fait. Voilà, c'est bon, ok, j'ai compris, là. Ça va te recharger de ouf, mon Zach, là. Voilà, tu vois, t'as tout pigé, là, voilà. Et dès que tu vois ta barre qui clignote en haut, c'est que t'es full life, là, ton dash est prêt, là. Les gars, c'est Dark Souls avant l'heure, hein, ce jeu, hein. C'est bon, tu l'as bien. T'as vu, il fout de la merde partout, ce con, là. Sinon, tu peux prendre ton ranger. Le tir triple, parce que normalement tu vas pouvoir le toucher. Attends, j'ai envie de lui faire un dash là. Ouais, ben voilà. Voilà. Ouais, c'est bon, t'es full. Voilà. Oh putain, le DPS que tu lui as mis là. C'est bon, voilà. Refais, c'est bon, t'as vu là. Non, t'inquiète, j'ai compris le jeu là. Voilà, c'est bon, voilà. Je suis à fond dedans, purée. Voilà. Je suis en train de kiffer. Oh là là, c'est un truc de ouf. Hein. Donc tu vois, chaque boss, hein, y a un pattern précis, y a une arme. Vas-y, redash. Voilà, parfait, mon Zach, t'es bon là. Voilà, t'as bien pigé le jeu, c'est bon. C'est bon. Après, voilà, il n'y a plus qu'à bien le prendre en main, bien s'habituer, tu vois. DJX Coach Life pour le jeu trop dur. Ouais, mais les gars, c'est important, hein. Là, ce qu'on fait là, c'est bien parce que du coup, si j'avais pas expliqué tout ça à Zach, il aurait mis beaucoup plus de temps à comprendre tout le jeu. Hein. Cancel tout, voilà, réflexe. Hein. Cancel quand. Voilà, tu vois. C'est bien, mon Zach. Ouais, nickel. C'est bon, mon Zach, vas-y. C'est bon, là, t'es full life, t'es cool. Fais un dash là. Vas-y, deux. Passe tout le monde, tu t'en fous. Voilà, après tu vois, les décors vont changer. On va arriver dans la neige et tout. Il a pris le pli, mais carrément. Là, c'est bon, t'es full dash, nickel. Dès que le boss arrive, le fight démarre, tu y fonces dessus, quoi. Mince. Oh merde, tu l'as fait trop tôt. Faut attendre le ready, hein. Parce que j'ai fait une erreur de manip en fait. Je voulais pas faire ça, c'est pas grave. Tu dirais, moi, quand je colle un de mes jeux devant un de mes enfants devant un jeu là. Dark Souls, peut-être Cuphead avant l'heure, ouais. Ah bah oui, aussi Cuphead, oui, carrément. Non, même pas 6 boutons, hein, Holy Covid, hein, ça se joue à 3, c'est un truc de ouf. Ouais, tu vois, les missiles, hein, tu peux les cancel, hein. Voilà, ouais, ah, il est faible. Tu vois, il est faible, ce boss, mon Zach, là. Ah, il est facile, ça va, ouais, par rapport aux autres, là. Voilà, donc tu vois, réflexe, hein, les tirs, tu les annules. Bon, il est simple, c'est ça bon, va. C'est bon. Bravo, Zach, bien joué, mais regardez le Zach, il est bon, le Zach, là. Quand la Mega Drive se prend pour une Neo Geo, mais c'est un jeu Neo, les mecs, c'est un truc de ouf. C'est un jeu Neo, ouais. C'est un jeu Neo, franchement, les mecs. Tu mets Eggman à côté en Neo Geo, il est tout aussi vénère, hein. C'est un truc de ouf. Ah, t'as Ninja Warriors aussi sur SNES qui se prend pour un jeu Neo. Alien Soldier sera plutôt impressionnant techniquement, quand même. Oui, c'est clair. Mais j'adore Ninja Warrior, hein, bien sûr. Ah, il est excellent, Ninja Warrior. Ninja Warrior, il serait pris pour un jeu Neo. Prends le, voilà, reload-toi. Il serait pris pour un jeu Neo, mon Zach, si y avait eu Raiden dedans. Là. Tu sais, le robot qui fait tout l'écran. Là. Ah ouais, comme dans la version PS4, Ninja Savior. Bah ouais, mais la SNES pouvait pas gérer un sprite aussi gros. Hein. Ah ouais, non, c'était compliqué. Alpha Pro Jouesse, bonne soirée. Ouais, ça marche, moi, Alpha. Bise à toi. Alors regarde, t'es full, mon Zach. Voilà, ça se passe hors du train, t'inquiète. Alors attention, parce que là, tu vois, t'as le vent, hein, t'as l'élément du vent. Donc là, patiente bien.
Dès que ça bouge, voilà, bam. Oh là là, moitié de barre d'entrée de jeu. Alors, peut-être le son qui rappelle qu'on est sur Mega Drive. Oui, ouais, mais encore, franchement, même niveau son, il pète. Hein. Voilà, ouais, sois bien mobile, mon Zach. La mobilité, c'est une des clés de réussite hein, dans cet Alien Soldier. Hein. Voilà, c'est bien, t'es en train de le poutrer comme il faut, là. T'es en train de le... Ouais, tu vois, il aime pas cette arme. Hein. Il aime pas cette arme. Voilà, c'est bon, tu l'as eu, mon Zach. T'as vu, hein, quand tu commences à bien prendre le gameplay, à bien sentir le jeu, après, ça s'enchaîne bien. Hein. Bah, c'est comme Batman et Robin, tu te fais défoncer ouais. Au début, et après, tu kiffes. C'est ça. Mais c'est pareil, ouais. Mais il est plus voilà. Technique que Batman et Robin. Cancel les balles, voilà, très bien. Manuti, je reste pas plus longtemps, je passe toujours un coup de vent. Merci, Jix, pour ce petit moment de bonne humeur que tu nous offres. Et sache que je vais très bien me noter le nom du jeu. Alors attends, pour que dès que j'ai reçu mon envernique, une nette découverte. Ah bah vas-y Manu, hein. Si tu veux plus d'infos, tu vas voir mon test. Hein. Le test où je fais une rubrique tuto d'ailleurs, hein, dedans. Sur la chaîne principale, hein, le test, les mecs. Voilà, bien joué mon Zach pour le cancel, voilà. Tu peux pas les buter là, les espèces de verres. Non, parce qu'ils sont là, ils sont là pour te balancer les tirs pour que tu puisses te recharger. Prends ton lance-flamme, hein. Prends ton lance-flamme, mon Zach. Voilà, ça, ouais. Voilà, tu vas pouvoir buter le verre comme ça. Alors, à plus Manu, ouais. Ah bah non, c'était même pas le boss, putain. C'est lui le boss, là. Non, attends un peu, là. Ouais, il va se transformer, regarde. Très joueur, des légendes. C'est quoi cette gueule, hein. Quand à ce jeu, c'est un mec tout seul qui a commencé à le coder dans son temps libre. Mais c'est un truc de malade, les mecs, hein. Arrêtez, ouais, ils t'ont mis full life, là. Ah, alors, observe bien, mon Zach. Ah non, je suis pas full life. Ah non, ouais, t'es pas full life. Parce que pendant la cinématique, t'étais full life, c'est bizarre. Ouais, il est pas très dur. Voilà, au lance-flamme, tu vas le toucher. Tu passes dans son dos, là. Voilà. Voilà, tu vois, il est pas très furieux, t'inquiète. Voilà, super mobile, mon Zach. T'as vu les mouvements, les patterns, on les calcule bien. Hein. Mais c'est Dark Souls, les mecs, hein. C'est Dark Souls. Dark Souls a rien inventé, hein, j'arrête pas de le dire, les mecs qui mettent Dark Souls sur un piédestal, machin. C'est de malade, hein, techniquement. C'est Dark Souls n'a rien inventé, les mecs. Hein. Fixo, t'en penses quoi, Demon of Astborg, AES, MVS, ouais. Ouais, franchement, je trouve que bon, à voir, hein, mais je trouve pas ça utile. Hein. Bon, alors à moins que le gap technique soit monstrueux, mais bon, pas convaincu. Quoi. Perso, je suis pas convaincu. Quoi. Il danse le truc, mais c'est ça, regarde, là, le Zach, il est à fond dedans, les gars, là. Ton laser normalement il passe pas là parce qu'il se protège avec ses. Essaye mais normalement je... ouais, il passe pas là. Tu vois il se protège avec ses bras. Voilà. Tu vois le lance-flamme hein. Tu peux même prendre 4 homing force hein, si tu veux. Hein. Tu vois. Ça va, t'es bon Mozak, tu vas l'avoir. Je sais pas ça va suffire pour les munitions. Ouais, t'as plus beaucoup de balles, hein, c'est ça le problème. Ouais, si je meurs pas avant aussi. Ouais aussi ouais. Ça va, normalement t'auras assez. Là tu vois t'as moins de portée avec ton lance-flamme, t'arrives à sec là. Tu vas l'avoir. Ah t'as plus d'arme, change d'arme, prends le ranger. Ouais non, tu prends... ouais tu le touches là. Ouais elle est pas mal aussi là, c'est le plasma sword je crois là. Mais tu vois il se protège avec ses bras. Je pouvais pas le battre. Tu vois. Et ce qui est bien c'est qu'avec le homing force il passe tout en fait. Le homing force si tu veux là tu t'en prends, ouais t'en prends deux hein. T'as le sword force c'est ce que t'avais là. Le flame force c'est un lance-flamme. C'est la même chose que le homing force, mais sauf qu'il va pas sur l'ennemi, mais il est plus fort. Mmh. Ouais, clairement, Ghouls and Ghosts Goblins, c'était le proto de ce. Oh, ça recommence là, ok. Ouais. Ouais, tu reprends là, ouais. Bah oui, non, mais je veux dire, Dark Souls, en fait, c'est limite, c'est Ghouls and Ghosts mélangé à Alien Soldier, hein, je veux dire, c'est un peu ça, hein. Et c'est Treasure qui a fait ce jeu, bah ça, ouais, c'est leur meilleur jeu, j'imagine. Hein. Ah bah, techniquement, oui. Franchement, mon Zach, est-ce que t'as vu mieux techniquement sur Mega Drive? Ah, pas pour le moment. Enfin, il y a Batman et Robin quand même. Il y a Batman et Robin qui envoient du pâté, mais celui-là il est pire. Hein. Techniquement, il est au-dessus, je trouve. Hein. Parce que Batman et Robin. C'est la Sainte Trinité. Hein. Batman et Robin, Gunstar Hero, Alien Soldier. Hein. Là, les gars, c'est la Sainte Trinité Mega Drive. D'un point de vue technique, les mecs, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est bon. Là, t'as survécu, mon Zach. Prends tes homing là. Voilà, c'est bon. Là. Zach et l'élu, il modifie la matrice du jeu. Salut, les Zolt. Je connaissais pas ce jeu, honte à moi. Ah bah y'a pas de problème le Zolt, on peut pas tout connaître. Hein. Si pour ceux qui connaissent pas, y'a ma review hein, sur la chaîne les gars. Je fais même une petite séance de tuto. Et là du coup Zach découvre le jeu. Et franchement Zach là tu t'en sors super bien.
Mais c'est... Ouais, non, franchement, c'est un truc de ouf. Hein. C'est, non, mais je vais être à fond dedans. Hein. Je vais pas tarder à le faire, sérieux. Mais c'est compliqué d'assimiler tout... vraiment toutes les caractéristiques de gameplay. Là tu vois, là mon Zach, je t'ai fait gagner un temps de ouf. Hein, avec... bah, je sais, j'en suis conscient et je te remercie. Ouais. Là je t'ai fait gagner un temps de ouf parce que là t'as vu, là tu joues comme on doit jouer à Alien Soldier. Donc là t'as vu, t'évolues bien, hein, y a pas de problème. Voilà. Salut Contra. Ah oui, Contra, bien sûr, oui, Contra, j'ai annulé, bien sûr, on l'avait oublié, mais oui. Oui, la Sainte Trinité, on rajoute Contra en quatrième, c'est bon. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, reste pas collé, Zach. Hein. Ouais, reste pas collé. Voilà, essaye d'être le plus loin possible. Voilà. Tu peux prendre ton tir triple aussi, hein, le Ranger. Hein. De loin, tu peux peut-être le toucher. Bon, ça va aller. On va rester comme ça parce que là, je suis dans le rythme. On va le battre. C'est ça, Nigel. Hein. Oui, c'est ça. Le homing est très efficace. Hein, moi, c'est une arme que je vous recommande. Hein. Prenez-le deux fois. Voilà, le double B pour cancel les tirs, hein, bien sûr. Ça, c'est, faut vraiment le comprendre, ça, parce que sinon, ça va vraiment vous gêner pour finir le jeu. Et le dash, c'est primordial. Hein. Tu vois, Zach, si t'avais pas le dash, là, tu crèves direct. Hein. Ah bah non, bah tu crèves, hein, ouais, direct. Carrément. Ou alors là, attention, il va y avoir des fast plateformes un peu compliquées, là. C'est là qu'il va falloir, appuie sur le bouton, là, tu peux tomber. Hein. Donc là, faut bourrer le bouton. Donc là, tu fais le dash pour passer, voilà, mets-toi là, voilà. Fais un coup de dash, voilà, reprends des armes, voilà, très bien. Ah merde, t'as perdu ton ring, bon, c'est pas grave. Donc là, il va y avoir des phases de plateforme, hein, c'est un peu... Voilà, puis on peut marcher au plafond, mets-toi au plafond, puis t'avances, hein, voilà. Il s'entraîne pour faire des 1CC régulièrement, et donc il a l'habitude de vite assimiler le gameplay d'un jeu. C'est juste le résultat du temps et de l'entraînement, mais c'est ça, hein, bien sûr. Hein. C'est ça. Le Zach, c'est pas un lapin de 6 semaines, les mecs, hein. Tellement puissant. Non, mais surtout quand t'aimes un jeu à fond, tu sais, quand t'es à fond sur un jeu. Hein. Là, tu t'investis quand t'es à fond dans, ouais, un jeu que tu kiffes. Mais grave. Dash d'entrée de jeu, hein. Non, tire pas. Bah, c'est bon, là. Voilà, bam. Donc, tu vois, là, attention, il y a des trous, hein. Donc, faut vraiment. Voilà, faut que tu te loques en l'air avec ton. Voilà, avec ton lock aérien et puis tu dash. Voilà, là, counter. Voilà, counter. Là, c'est pour preload, là. Voilà, t'as vu. Ah, bah, dash, c'est dur, là, hein. Là, c'est technique, hein. Là, en fait, mon Zach, en fait, le but, c'est de... Tu restes au-dessus. Voilà, lock-toi au-dessus. Voilà, attends. Saute et lock-toi. Non, pas, dash pas. Ah ouais, faut... Voilà, voilà, et tu bouges pas, là. Voilà, et dès qu'il balance ses merdes, tu retombes au sol et puis tu double B. Voilà. Mais là, t'as vu, faut faire gaffe au dash, parce qu'avec les trous... Donc, reste bien immobile. Voilà, et tu le touches comme ça, voilà. Voilà, et là tu te poses. Tu te poses et tu double B là. Alors fais gaffe parce que tu vois, t'as un recul. Hein. Bon, ok. T'as un recul avec le double B. Hein. Je vais. Ah, c'est bon là, j'ai compris en t'as principe. Vu, t'as pigé, mais là c'est pas évident. Hein. Ah bah bien sûr. Attends, le homing deux fois, on va prendre comme d'hab. On va faire ça. Après ouais, voilà, à toi d'adapter les armes, hein, bien sûr. Hein. Ouais, tranquille. Parce que là le. Voilà. Ouais, okay. Prends le ranger pour les mobs et puis tu prendras le homing pour le boss. Et en fait, donc t'as compris, tu te loques au-dessus de lui. Voilà, tu balances ton lance-flamme, il va passer en dessous de toi, il va pas te toucher. Toi, tu vas le toucher. Et puis dès qu'il balance ses merdes, là, tu te poses au milieu de la plateforme à peu près. Et tu double B, mais tout en avançant, parce que tu vois, ça te fait reculer le double B, quoi. Voilà. En fait, la difficulté, c'est quand tu veux rester statique en l'air, ouais, et que tu bouges en même temps. Voilà. Quand t'appuies sur la touche du bas, ça fait un dash, quoi. Ouais, voilà. Mais là, faut pas dasher, en fait. Là, c'est un coup de main à prendre. Là, attends, mets-toi à gauche, là, voilà. T'attends que le fight démarre, tu lui dashes sur la gueule et immédiatement tu te fixes en l'air. Voilà, refixe, voilà. Pour pas tomber, tu vois. Voilà, là tu te fixes. Non. Là tu dashes plus, attends, tu dashes plus. Ça va aller, c'est bon. Voilà, ça y est, là c'est bon. Voilà, tu changes. Ah, mais il vient pas, ok, il te vise pas. Non, ah, mais s'il te vise pas, ça va être facile. Ah, mais s'il te vise pas, ça va être facile. Moi, je crois qu'il venait vers toi. Et bah voilà. Donc tu bloques bien. Ah, il t'a eu, son. Attends. Moi, je prends homing, trop homing et le laser. Ouais, c'est bien, Gianni aussi, ça. Non, faut pas dasher, mon Zach, parce que tu vois, tu tombes dans le... Voilà, alors quand tu vois qu'il revient pas, c'est qu'il va te balancer ses merdes. Donc là, c'est reload time. Et si jamais t'arrives à te mettre full life, et bah t'essayes de lui placer un dash dans la gueule. Voilà, c'est bon, là, il revient pas. Voilà, c'est bon, t'as pigé, mon Zach. T'as vu, le pattern n'est pas compliqué, hein. C'est bon, tu vas l'avoir. T'en suis, va revenir. Voilà. C'est bon, mon Zach. Tu reload. Non, pas de dash ici. Si jamais tu fais un dash, réflexe, tu rappuies sur C. Parce que comme ça, tu te refixes en l'air, tu tombes pas. Voilà, vas-y, ouais. On va essayer de reprendre de la vie. Voilà, c'est bon. Change de plateforme, si tu veux. Hein. Merde, il t'a eu, là.
Voilà, essaye de changer. T'as deux plateformes, les devs ils t'ont mis deux plateformes, c'est pas par hasard. Hein. Voilà. Ça marche. Ah, ça va aller là, j'ai compris, c'est bon. Ouais, ouais, bah t'as plus de temps. Faut le rythme en fait. Hein. Maintenant faut l'exécuter, mais ça c'est moins simple. Voilà, tu le touches. Hein. Mais il est long, hein. Ouais. Il est long. Mais il doit avoir une arme, peut-être le lance-flamme ou une autre arme où il est. Ouais, il est sensible. Parce que là, on voit que le homing ça lui fait pas trop de dégâts, quoi. Je vais essayer autre chose, enfin, je sais pas, ouais. Non, bah, je peux pas en fait, j'ai rien. Bah, essaye l'autre là, le sword là. Le bleu là, ton arme bleue là, si tu veux. Bien joué, mon Zach, t'as repris pas mal de vie là. Parce que là, en fait, le truc c'est de lui dasher dans la gueule après là, une fois que t'es full life. Ah, dommage, t'es tombé là. Alors, l'archer. Digic, je sens que ton padawan est devenu très puissant. Ah, mais bien sûr. Mais Zach, il level up très rapidement, les mecs. Hein. Ah, c'est chaud. Fixo, mon SNCam, prends un petit mois si t'as un compte Amazon Prime. Allez, c'est parti, les gars. Baxter, salut Baxter. Alors, il en pense quoi du jeu? Ah, bah attends, on fera un petit débrief après, là. Voilà. On fera un petit débrief après quand il aura fini, Zach. Ah merde! Ah mince! C'est chaud hein, t'as vu? Ah, c'est chaud quand même hein! Ouais, c'est chaud! Comment on recharge ses armes en fait? Mais en fait, il faut en prendre d'autres! Quand t'es au boss, tu peux pas recharger Nigel hein! Donc après, il faut. C'est les petites phases run and gun avec les mobs normaux. C'est là qu'il faut que tu te recharges! Ouais, essaye le lance-flamme, peut-être il va pas aimer. Ouais, je vais essayer ça, ouais, je vais voir. Ouais, donc là on fait comme d'hab, voilà, on avance comme ranger, ça et après on va bourrir. Ouais, pour les mobs de base, t'as le ranger celui-là, ou bien t'as le Buster Force aussi, mais moi je préfère le ranger parce que comme ça on a pas besoin de viser, t'as vu, on tire dans le tas. Voilà, c'est bien là. Et t'as vu, les phases run and gun, c'est 10 mètres, 20 mètres, hein, c'est pas long. Hein. Ouais, c'est des petites transitions. Ouais, quoi. C'est des petites transitions, c'est ça. Ouais, mais bon, Benjamin, bonne soirée à toi, mon ban. Mon Ben, bise à toi. C'est quoi la meilleure arme du jeu, ouais? Bah, au niveau force, c'est le laser. Le laser force. Sinon, au niveau pratique, c'est le lance-flamme. Ouais, reste bien, voilà, reste bien en face. Voilà, là, tu le dash. Et immédiatement, tu rappuies sur C pour pas tomber. Voilà, hop. Ah, merde, t'as pas fait assez vite. Comme ça, tu te lock en l'air. Non. Voilà, lock. Ah, c'est bon, mon Zach. Voilà, tranquille. Voilà, là, il a pas l'air. Ouais, attention, il va. Ouais, c'est bon, il va tirer dessus, là. Voilà, doucement. Voilà, t'es full. Ah, oh, dommage. Ah, dommage, t'as loupé le. Ah, putain, merde. Ouais, t'es pas ouais, loin d'être j'ai full un peu du mal encore avec le. Ouais, c'est normal. Mais ça va aller. Franchement, Zach, tu te démerdes bien. Il est costaud. Mais carrément, hein, non, mais Zach, il se démerde ultra bien, les mecs. Hein. Les gars, pour une première, là, c'est un truc de ouf. Hein. Clément, dire que je l'ai acheté complet 69 francs, ouais. Quand il était complètement inconnu et que tout le monde s'en foutait, ouais. Ouais. Bah, moi, c'est pas. Moi, je l'ai acheté 200 francs, je crois. 200 francs dans un cash. Il me semble. Allez, mon Zach, tu vas y arriver, t'inquiète. Essaye de prendre le lance-flamme. Voilà, t'inquiète, voilà, hop, voilà, bien joué là. En fait, c'est une question de timing, mon Zach. Hein. C'est ça, voilà. C'est une question de timing. Ouais. Voilà, le rythme. Voilà, le rythme, le timing, et puis c'est bon, ça va le faire. Oh là là, ouais, t'es pas loin d'être full life là. Ah, dommage. Ça va, t'as plein de munitions, hein. T'as plein de munitions avec ton lance-flamme, donc y'a pas de problème. Côté là, pas de problème. Mais là, pour moi, le boss le plus dur, c'est le tigre. Le tigre, il a je sais pas combien de transformations. Faut vraiment les bonnes armes. Oh là là, t'as un gars. Oui, bien joué. Oh là c'est là bon, on l'a pété. T'as rechargé ta vie, tu l'as dashé, tu l'as one shot sur la fin. T'es hop, terminé, au revoir. Stage 11, je rappelle, il y en a 25. Hein. Donc tu vois, t'avances super bien, mon Zach. Hein. Ah mon Paul, il faut que j'arrête, il est 45, je dois arrêter malheureusement, mais purée, mais merci infiniment, ce jeu-là, je vais le faire dans pas longtemps, je te jure. Alors mon avis là, il est exceptionnel, alors je sais pas, on est à quel niveau là? Niveau 10, un truc là, comme ça? Niveau, c'est marqué niveau 11, niveau 11. Niveau 11, ouais, donc on est presque à la moitié, on va dire, parce ouais, qu'il y en a 25, là, t'as fait un gros tiers du jeu. Bah franchement, le jeu, il est ouf techniquement. Hein. Mm. Là, ça me rappelle un peu Batman et Robin, hein, mais dans un autre style. Ouais, complètement. Ouais. Je veux dire, ouais. En termes de kill, de technicité et de difficulté, c'est. Ouais, on est à peu près dans le même délire. Ouais. Non, mais. Donc,
Bah, de toute façon, non, mais ça pouvait que te plaire. Ça pouvait que te plaire, mon Zach, c'est obligé. Ah, bah ouais, non, ça c'est un jeu, ouais, ça c'est un jeu où tu dois t'acharner, quoi. C'est le genre de jeu que je kiffe. Bah ouais. Ah, franchement, merci beaucoup. Là, c'est ouais, c'est cool. Je vais vraiment pas tarder à le faire. Ah, ben. Non, mais je, vraiment non, être mais sympa et bonheur. Je savais que t'allais aimer, c'était obligé, quoi. Mais là, en plus, maintenant, ce qui est bien, c'est que t'as bien compris l'essence du gameplay, t'as bien compris la philosophie. Tu vois, maintenant, c'est juste un peu de pratique. Bon, bah, connaître le pattern des boss aussi, bien sûr. Mais là, voilà, là, tu vois, déjà pour une première, là, t'es arrivé au stage 11 quasiment. Donc, voilà, il y a. Ah, mais franchement, ouais, non, mais excellent, hein, franchement, bien. Hein. Et Là, puis, merci pour toutes les explications. Ah ben mon Bah, je te Zach, dis, on hein, va voilà, vraiment, bah vraiment. c'était le but, c'était le but. On va te laisser aller bouffer. Du coup, moi je vais Ouais, prendre ça le relais, marche. je vais prendre le relais, je vais aller voir les mots de passe, les gars. Puis on peut continuer la partie si vous voulez. Voilà. Alors, du coup, alors attends, je vais éteindre ta fenêtre, mon Zach. Voilà, toc. Alors, je vais aller voir les mots de passe parce que du coup, j'ai pas fait gaffe. Alors attends. Voilà, Alien Soldier Password. Donc j'ai le tout. Voilà, toc toc. Ah ben voilà. Alors, on était au. Donc, c'est 6402 là. Le mot de passe pour le niveau 11. Je vais brancher mon stick. On va y jouer au stick. Merci Alchimiste pour le Prime. Ça fait plaisir. Allez, DG, à toi, enchaîne dans le flow. Ouais, c'est ça. Voilà, on va continuer un peu. Ok, alors, je vais afficher le stick, les mecs. C'est vrai que si possible, jouez-y au stick. Hein, au stick, ça permet d'être plus réactif. Là, avec la manette, ça se joue bien aussi. Il n'y a pas de problème, mais au stick, c'est un peu mieux. Ouais, non mais il vaut cher, hein, ouais. L'archer lavage 200 balles en Bon, loose, 500-600 balles complet. Ouais, non mais il est ultra cher, hein, malheureusement. il fait cher. Bah, les amis, je vous laisse. Merci, mon Paul. Hein. Je vous souhaite une bonne fin de stream, bonne soirée à vous. Et merci encore pour la putain de découverte, quoi. Mais carrément, C'est le mon Zach, moment. bon app, Shaya Teiba, comme on dit, mon Zach, hein. Merci. Allez, à bientôt. Allez, Bisous. bise, mon Zach, allez, à mardi prochain. Merci, Allez, ciao. bise. À mardi prochain. Salut. Salut. Toc, salut Geeksfile. Comment que tu vas? Yeah, le Vincent! Merci pour le Prime, le Vincent. Alors, je vais relancer le jeu, les gars. Je vais remettre test game. Normalement, voilà. Toc, ça va remettre la fenêtre du jeu, j'espère. Voilà, je vais mapper le stick. C'est dommage que le jeu ait pas en 6 boutons vu la date de sortie. Ouais, mais je pense qu'ils ont fait exprès de rester en 3. Bon. Après, oui, voilà, par exemple, mapper le dash sur le Z, des trucs comme ça aurait été peut-être un peu plus confortable. Oui, peut-être. Effectivement. Mais ça va, ça se joue bien. C'est un coup de main à prendre. C'est très technique comme jeu, hein. Vous l'avez vu les gars, c'est très technique. Hein. Toc, toc, voilà. Alors, le mot de passe, c'était 6402. Ok, donc option, voilà, on est parti. Donc, super easy. Voilà, super hard, hein, c'est compliqué les mecs. Hein. Les mieux, hein, mais les prix font toujours halluciner. Ouais, mais regardez sur Emule, hein, c'est. Sur Emule, c'est nickel. Hein. Alors, même les mots de passe sont pas chiants à rentrer, les gars, hein, franchement. Voilà, vous voyez. Toc. Alors, attends, est-ce que je l'ai validé le mot de passe là? 7, voilà, input password. Attends, hop, voilà, ok. Start to exit, game start. Bon, on va voir. Est-ce que ça a marché? Donc là, je vais faire la même. Je vais prendre deux homing. Je vais prendre un ranger et le Lancer Force. Voilà, on est parti. Alors, je vous laisse, bonne soirée. Ça marche, mon SNK. Hein. Bise à toi. Voilà, attendez les gars, que je reprenne un peu le jeu en main. Voilà, tout va bien. Toc. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, je l'ai là. Toc. Voilà, c'est bon. Alors, où c'est qu'on va reprendre là? C'est bon. Ah bah non, on est au stage 1 là. Alors attends. Je vais voir là. Attends, je vais faire reset là. Est-ce qu'il y a un reset au moins là? Alors, bouge pas. Toc. Save state, replay, machin. Load game, vidéo. Putain, bah attends. Il n'y a pas de reset là? Attends. Misc. Alors, à moins que ce soit ça. Attends. Non, il veut pas là. C'est bizarre, il a pas pris le mot de passe là. Alors, on va pas reprendre au début du jeu, vous l'avez déjà vu les gars là. Alors. Ouais, attends, y a pas un, on peut pas m'appeler le reset, t'assures un. Non, je peux pas. Bon attends, ben, je vais relancer le jeu les gars. Ouais, c'est bizarre qu'il a pas pris le mot de passe là. Alors, test game. Voilà, attends, je vérifie que le mot de passe est bon, hein. 6402, level 11, c'est bien ça. Ouais, c'est bizarre. Alors, faut appuyer sur 7. Ah ok, alors attends. Donc super easy, voilà. Ok mon Gianni, attends bouge pas. Voilà, ok, alors. Toc. Voilà. 7, voilà c'est bon, presse ces buttons. Voilà, c'est bon, merci mon Gianni. Toc, j'avais oublié. Ranger, Lancer, allez c'est bon, on est parti là. Voilà.
TikTok. Alors on va continuer de jouer un petit peu. Vous envoyez un petit peu plus les mecs de cet Alien Soldier. Voilà, attends, voilà, que je prends, je change d'arme, voilà. Hop, je vais prendre le Ranger. Donc là vous voyez j'ai fait bar et A hein, pour changer le type de tir, enfin le type de mouvement hein, plutôt. Alors. Allez. Ok, j'ai repris du homing force là. Oh merde. Je fais n'importe quoi les gars là. Oh là là, on va pas faire long feu là. Ouais, puis là, il y a du vent, regardez, ça me pousse là. Bah oui, c'est ça, il fait le ventilo. Voilà, en fait, vous voyez, il drop de la vie. Ouais, je vais essayer de le tirer au laser là. Merde. Ouais, voilà, là le laser, vous voyez, il a pris cher. Hein. Voilà, là c'est une arme qui est très bien adaptée pour lui, le laser là, on le voit. Mais alors là la difficulté c'est que ce couillon, ça je suis déjà à sec là. C'est que ce couillon, voyez, il envoie du vent les gars là. Alors. Ah il va bouger maintenant, il va y avoir un scrolling. Voilà, il va falloir évoluer. Merde, puis il envoie des lasers aussi. Oh merde. De la pure folie, je sais, un truc de ouf hein. Alors, montre-nous grand maître. Oh bah là regarde, je suis un peu aux chiottes hein. du coup, je vais prendre deux homing et puis deux Lancer Force, voilà, pour ce boss. Alors, on est reparti. Voilà, ok. Alors, là ils m'ont touché. Voilà, ok. Voilà, je suis full life là. Voilà, ok, alors. Oh putain, il pète les couilles lui là. Ok, c'est bon. Merde. Moi je conseille quand on change d'arme de regarder en haut de l'écran. Parce que la roue elle est pas instinctive. Je trouve hein. Merde, il m'a poussé. Regardez le laser hein, il aime pas. Clairement il aime pas le laser hein. Oh putain, je suis déjà à sec là. C'est ça l'inconvénient du laser, c'est qu'il est vite. Merde, il est vite vide. Ouais, je le touche d'ici. Regardez, il prend cher les gars. Hop. Voilà, c'est bon, ça se passe bien là. Ça ralentit, hein. Putain, ça ralentit les mecs. Ok, là il va changer de pattern. Il va se mettre au bout de l'écran. Voilà. Ok, alors. Putain, je suis à sec ici. Ouais, ça va être compliqué, les gars, là. Je vais crever. Voilà, le truc. L'astuce, c'est de rester en haut si possible. Vous voyez, là. Merde. Ah, j'étais pas loin de l'avoir. Alors. Donc là on a vu il aime pas le laser, donc ce qu'on va faire, peut-être qu'on va en prendre 4. Je vais être fou, je vais en prendre 4. Je risque de tomber en panne de munitions, mais bon. Allez, on tente les gars. On tente d'en prendre 4. Ok, alors. Oh putain, ça one shot les ennemis quasiment. C'est un truc de ouf. Voilà, ok, alors. Bah là j'ai plus que 2 balles. Et à Mozak c'est le boss d'après là. Ah, franchement il est chaud hein. Ouais, là j'ai pris 4 lasers hein. C'est dangereux, ce que j'ai fait c'est dangereux là, allez. Mais il aime pas ça. Merde, j'en ai tiré un dans le vide là. Ah putain. C'est vrai que ça va vite hein, ça glisse. Ah putain. Et merde, j'en ai perdu un autre là.
Alors, qui c'est qui ce qu'il va faire là? Voilà, ça y est, il change là. Ok, j'en aurai pas assez. Ouais, j'aurai pas assez de munitions, les gars. Merde. Ah putain, bah mais non, non, mais là ça passe pas. Il faut le lance-flamme là. Voilà, alors. Mais ouais, ouais, ça peut valoir le coup de prendre. Attends, voilà. Et puis le dernier, ça. Allez. Mais là, faut bien viser, hein. Vous voyez, les gars, d'avoir les bonnes armes et suffisamment de munitions, c'est primordial, les mecs. Hein. Primordial. Alors. Voilà, ok. Alors, toc, c'est bon, là. Ah bah, le lance-flamme est super efficace, hein. Alors, ouais, j'ai merde, j'ai tiré dans le vide, là. Voilà. Non, mais putain, mais... Oh, là, j'ai perdu 3 tirs, là. Voilà. Ok. Oh, dommage, j'étais fou, j'aurais pu lui mettre un dash, là. C'est pas passé. Ok, c'est... voilà, il va se mettre là. Oh, putain, puis il arrête pas de changer la direction du vent. C'est vraiment un emmerdeur, ce boss. Ouais, puis alors là, je vais pas avoir le temps de changer d'arme. J'ai pas le temps de changer d'arme, putain. C'est très compliqué ici, les mecs, regardez, là. C'est très compliqué, je vais pas l'avoir. Je suis mort. Et je suis encore mort, les mecs. C'est très compliqué, là. C'est extrêmement compliqué, ce boss. Avec toutes les plateformes. Là, tu vois, mon Zach, t'as arrêté pile quand il fallait, là. Parce que ce boss-là, il est vraiment infernal. Alors, les munitions sont communes? Non, non, non. Chaque arme a ses propres munitions. Hein. Bon, je vais en prendre deux, puis ouais, on va essayer comme ça. Parce que là, sur le pattern final, faut que je réessaye de, j'essaye de rester en haut de l'écran, à droite. Et puis on va jouer du lance-flamme. Voilà, là, j'ai changé de type de tir, les gars. Alors... Up. Ah merde, j'ai le Ranger Force, putain. Bon, on va voir, ça va peut-être le faire. Ah putain, d'entrée de jeu, il disparaît, le bâtard. Voilà, ok. Voilà. Ok. Là, je l'ai touché. Ça y est, je suis déjà à sec, là. Là, il va prendre cher là au corps à corps là. Merde, je suis tombé. Ouais, le Buster Force. Bon là ça y va, il va bouger maintenant. Voilà là, je vais le toucher là. Le problème c'est ces, voilà, c'est ces putains de lasers qu'il envoie là. Merde, je suis déjà à sec là. Ouais, j'ai pas le temps. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou ce boss. Hein. Ouais, j'ai pas le temps. Ouais, c'est chaud. Bon. C'est chaud, hein. Les gars, c'est extrêmement chaud, putain. C'est extrêmement chaud. Si j'avais eu le deuxième... Parce que là, j'avais changé d'arme du coup là. C'est primordial d'avoir les bonnes armes, les gars. Si on n'a pas les bonnes armes, c'est très compliqué. Voilà, on va tenter d'arriver... Oh, merde! Attends. Voilà, ok. Eh, putain! Il m'a mis le... Il m'a mis le buster, là. Bon, là, par contre, attention, là, j'ai un dash qui est complet. Voilà, voilà. Bon, je suis tombé, mais il a pris cher. Ok, voilà. Bah, il a disparu, là.
Allez! Qu'est-ce qu'il est chiant ce boss là! Regardez, il joue là. Il disparaît, il réapparaît, voilà. Ok, c'est bon là. Trop chiant, putain. Voilà, ok, bah ça il aime pas trop non plus. Mais ça va me pénaliser, je voulais pas avoir de Buster Force. Non mais on voit clairement le laser, hein, c'est vraiment... c'est l'arme qu'il aime pas ça. Hein. Ouais, regardez les gars là, c'est clair, net et précis. Alors, mais là ça vous montre vraiment le vrai visage du jeu les gars. Hein. La difficulté infernale du jeu. Hein. Ouais, bah, je suis mort. Oh la vache, mais c'est un truc de ouf, les mecs. Hein. C'est un truc de ouf. Là, j'étais... il lui restait encore beaucoup de vie, là. Et je suis en super easy, les mecs. Hein. Vous imaginez? Vous imaginez la galère, là? Le truc de ouf. Alors, bon, je vais en prendre 3 et un seul laser, voilà. Ouais, ça va bien finir par passer. Mais c'est, ouais, non, mais c'est très compliqué, le mec. Très compliqué, on voit même que le dash, hein, ça lui a fait mal, hein, mais pas tant que ça. Et putain, et voilà, merde! Bah oui, je voulais pas prendre cette arme. Et voilà. De toute façon, cette arme-là, elle est à cet endroit exprès pour faire chier, hein, de toute façon. Et voilà, il disparaît d'entrée de jeu, là. Voilà, ok, regardez le laser. Hein. Le laser, c'est clairement l'arme qu'il aime pas. C'est comme un Megaman, hein, chaque boss, il y a... Il y aura des armes qu'il aime pas. Le problème ici, quand on dash, on sait pas où on va atterrir. Ça y est, je suis à sec là. Putain, j'ai voulu dasher, je suis tombé. Parce que quand on fait bas, et c'est évidemment, on passe à travers les plateformes. Bon bah là c'est fini les mecs, hein, parce que j'ai plus d'armes. Ok, alors. On va tenter de le suivre là. Mais je pense que j'aurai pas assez de munitions. Ouais, j'ai pas assez de munitions. Voilà, on n'a pas le temps de changer d'arme. Salut Tsubasa! Donc tu vas. Prends-toi des coups de laser, tu me diras, c'est un truc de ouf. Regardez les gars, comment je galère sur ce boss. Hein. Mais c'est un des plus chiants celui-là avec le tigre. Le tigre, ouais, le tigre c'est le pire. Hein. Salut Sephronia, comment tu vas? Bon alors, voilà, c'est bon, ça voulait pas bouger. Bon, alors, je vais refaire la même, mais il faut pas changer d'arme, putain, il faut pas que je prenne d'autres armes. T'as vu mon Zax qui t'attend là? C'est chaud, hein. C'est vraiment méga chaud, putain. Voilà, donc hop, je change là. Je pouvais être full life, arriver à lui full life là. Et merde, bon, parce que là. Voilà, ok, bon, ça va. On va prendre notre petit laser. Ok, alors, faut pas qu'il disparaisse là. Ok, il reste. Vous voyez les points bleus, c'est les munitions, les gars. C'est bon, je vais... Non, est-ce que je l'ai touché, là? Je sais pas si je l'ai touché, putain. Je crois pas. Je crois que... Non, mon dash, il s'est arrêté devant le truc, là. Merde. Voilà, ça y est, là, il va commencer à bouger. Putain de laser. Ça y est, je suis à sec. Il faut que je gère le changement d'arme, les gars. C'est très compliqué. Y a pas de plateforme, y a pas de...
Voilà, faut rester en haut, hein. On voit clairement que... Voilà, ça c'est une astuce qui marche, j'ai plus de... Plus de munitions là. Ça y est, je suis mort. Laisse tomber la barre de PV, s'il bouge pas, hein. Il a trop de PV les mecs. Pourtant on est en super easy, en super... J'ose même pas imaginer en super hard. Le Buster, ouais, ouais, vas-y, Jenny, ouais, le Buster, allez. Buster, je vais prendre deux homing et puis le Ranger, allez. Parce que le Buster, c'est vrai qu'il avait pas aimé tout à l'heure. Mister Vegeta, salut Mister Vegeta. Voilà, Baya, manière à pouvoir tirer et attaquer en même temps. Voilà, là, je suis full. Ok, power up, bon bah c'est bon. Voilà, je suis full force là. Ok, on va tenter un dash d'entrée de jeu. Voilà, c'est bon là. Voilà, du laser. Oh merde, il m'a poussé. Oh putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a fait tomber là? J'ai rien. Ah, c'est ces petits poissons de merde, je les avais pas vus, putain. Très compliqué, très compliqué. Puis on n'a pas le temps de changer d'arme. Si on pouvait. Si on pouvait faire pause. C'est bon là, j'ai repris des munitions. Enfin de la vie plutôt. Voilà, je le touche là. Ah putain, il m'a aspiré cet enfoiré là. Sinon il y a toujours l'astuce de baisser la vitesse du jeu, hein. C'est vrai que ça les gars, ça c'est fatal, hein. Pour les boss qui posent problème. Ah ouais, on est en super easy au Nimusha là, ça, mais c'est un truc de malade les mecs, hein. Voilà, je le touche donc là. Voilà, hop, hop. Voilà, c'est ça, donc c'est des patterns de deux plateformes. J'ai pas le temps de changer. Attendez, hop, je vais baisser drastiquement la vitesse du jeu, les gars. Regardez. Pour essayer de tenter de pouvoir changer d'arme, au moins. Allez, vas-y, là. Là, je suis en vitesse minimale, les gars. Il disparaît. C'est chaud, ouais. Quoique les armes, en les utilisant pas, elles se rechargent un petit peu, hein. Voilà, là on a le temps de bien calculer là. Regardez, en baissant la vitesse du jeu. Voilà, ok. Et surtout, j'ai le temps de changer d'arme. Voilà, ok. Voilà. Ça y est, je suis à sec là. Ok, là ça s'est rechargé un petit peu. Ouais, je pense que je vais l'avoir là. Je vais enfin l'avoir, les gars, là. Parce que le problème, c'est que gérer le changement d'arme en même temps, c'est très compliqué là. Mode 40 Hz, même moi, hein. Ça y est, j'ai plus d'armes déjà. Je sais même pas comment je vais le toucher là. Ok, je l'ai touché un peu là. Bon, je vais garder mon Buster. Ouais, il est full. C'est bon, je le touche. C'est bon, je l'ai eu. Voilà. Merci le ralenti de vitesse. Regardez, on revient à vitesse normale, c'est pas la même, hein. C'est un truc de ouf les mecs, hein. Ah non, le Konami Code il marche pas, ouais. Il marche pas. Mis sur ma Switch, passé à côté d'époque, ouais, fini contre Galuga, franchement une soldeur est carrément mieux. Ah bah oui, on se fait moins chier, hein. Le Galuga, c'est les pads à côté, hein. Alors que là, c'était quoi, le jeu il a quoi, 30 ans presque. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf les mecs. Regardez cet emmerdeur. Regardez cet ennemi emmerdeur là. C'est hallucinant. Même les ennemis de base maintenant ils vont commencer à faire chier là. Ah oui, le boss du bateau là. Le boss du bateau, putain. Alors, mon Jack, ouais. Bonne soirée à toi, mon Jack. Ça y est, on va arriver. Je crois que c'est le boss. C'est le tigre, je crois. Enfin, le tigre, il me semble qu'il est pas loin, hein. C'est, ouais, les gars, ce boss, il est à rallonge, les mecs.
ce boss il est à rallonge. Si je rejoue à ce jeu, je me remets à fumer. Ah bah là y'a de quoi, putain. Très compliqué, putain. Et là il va même falloir changer d'arme parce qu'à un moment on va se retrouver sous l'eau. Hein. Et du coup, bah le. Voilà, le homing sous l'eau il marche pas. Hein. Ouais, c'est ce boss là les mecs. C'est le pire du jeu. Voilà, pour moi les mecs, ce boss là c'est le pire du jeu. Et il a chopé le nounours. C'est le pire du jeu parce que vous allez voir, il a je sais pas combien de transfos. Pareil, j'ai pas le temps de changer d'arme. Car ça bouge. Regardez l'écran, il bouge dans tous les sens. C'est un truc de malade. C'était pas le boss final. Ah non, 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 bah non, c'est pas le boss final, non. Ah non. Bon, alors, bon, bah là, ce qu'on va faire, on va prendre. Je vais prendre ça, on prend deux là. Et le lancer. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ce jeu survitaminé. Les gars, mais quand on voit ça là. Quand on voit ça, puis tu vois le. Tu vois le dernier. Bah, le dernier contrat, quoi. Y a pas un problème quelque part, les mecs. Sans déconner, y a pas un problème là, je veux dire. Bon voilà, bah là on passe pas, hein, je veux dire, mais c'est quoi ce bordel? Voilà, ok, alors. Ok, ça c'est bon, je suis même pas full life. Ok. Salut mon type au top, ouais. Difficulté MVS, ouais tu parles, et encore, hein. Et encore. Et encore. En MVS ça serait plus simple je pense. Mais bordel, mais pourquoi j'ai... Pourquoi il m'a fait le dash là? Ouais, le homing, hein, très adapté ici. Mais là, c'est ouais, c'est le boss le plus dur du jeu, je trouve, ici. Les autres, après, sont gérables, hein, y compris le dernier. Hein. Celui-là, il est, c'est un boss à rallonge, les mecs. Il a je sais pas combien de transformations, ici. C'est un truc de fou. Ici, c'est vraiment un truc de malade, vous allez voir, les gars. Alors, on fait un dernier essai, puis on arrêtera le stream, là. Voilà, pour ceux qui découvriraient Alien Soldier avec cette vidéo, les gars. Comme ça, ça vous a permis de voir bah, comment on y joue. Alors là, la difficulté, c'est que l'écran bouge sans arrêt. Voilà, et on peut pas faire de dash. On peut pas faire de dash, les mecs. Il faut vraiment rester en dessous de lui. Voilà. On va arrêter là. C'est un jeu, ça demande une grande concentration. C'est pas un jeu qui est fait à streamer, hein. Les gars, c'est... Ce jeu demande une concentration de ouf. C'est pas un jeu qui est fait pour streamer. On peut pas jouer et streamer en même temps à celui-là. Si, sinon, je pourrais pas vous lire, je pourrais pas vous parler, les gars. C'est, il faut une concentration de malade mental pour ce jeu. C'est un truc de fou, quoi. En 2024, vive les safe states, ouais. Mais celui-là, encore, ça va, parce qu'on a des mots de passe à chaque boss. Hein. Et là, on est en super easy, les mecs. Hein. Super easy. C'est un jeu intimiste. C'est ça. C'est ça, mon Vincent, exactement. En tout cas, bah, content de l'avoir fait découvrir à l'ami Zach, hein, je me doutais que Zach, il allait adorer. DG qui a deux cerveaux pour streamer, jouer à des jeux de crap. Bah ouais, non, mais là, c'est compliqué. Celui-là, on peut pas le streamer, les mecs. Hein. Franchement, c'est pas possible. Voilà, c'est compliqué. C'est pour ça que là, vous voyez, au début du stream, il y a Zach qui jouait. Moi, je pouvais parler parce que du coup, j'étais concentré. Voilà, ce que Zach, il faisait, ça, je pouvais... voilà, j'avais pas la manette en main. Mais là, du coup, jouer et avoir la manette en main, c'est très compliqué, putain. C'est un Ikaruga sur ce plan. Ouais, non, mais c'est pareil. Enfin, Ikaruga, enfin, tout ce qui est shoot comme ça. Enfin, tu peux pas jouer et streamer en même temps. Genre, c'est pas possible. Ça présage un futur test sur la chaîne YouTube. C'est déjà fait, hein. Il est déjà fait, Yann, hein, le test. Hein. La review est déjà faite, hein, d'Alien Soldier, les mecs. Hein. Attends, je vais voir. Je vais vous la mettre, là. Je vais vous la mettre dans le chat, les gars, là. Alors, voilà, c'est bon. Sorti le 6 septembre 2023. Donc, c'est pas très vieux, hein. Pas très vieux, les gars, c'était il y a en grosso modo 6 mois. Alors, tiens, ben, je vais vous dire combien on est sur Twitch. On va regarder les stats. Voilà, je vous mets le... Voilà, donc ça, c'est le lien. On est 1991 avec 174 abonnés, les gars. On va pas tarder, on va pas tarder à pouvoir faire un petit live apéro 2K. Et puis, si on passe les 14K dans la... sur la chaîne principale cette semaine, live samedi, apéro, on fera un live 2K. 14K. Voilà. Alors, qui c'est qui stream? Il y a moi. Alors. Ah, il y a Jess Dyson. Jess Dyson, les gars. C'est le fils à l'estat. Ah, il va être surpris. Tiens, on va aller chez lui. On va aller chez lui, les gars. Le fils à l'estat, il est en train de jouer à Hello Neighbor. Moi, j'ai essayé, j'aime pas trop. Mais bon. On va débarquer en masse chez lui. On va lui dire salut, on est des bolos potes de ton père. Allez, bam. Voilà, on va préparer le raid.
Toc. Le temps que ça se prépare. Voilà, donc c'est le fils à l'estat. T'as pas encore 2K. Non, mais les 2K sont affichés depuis longtemps. Mais en fait, c'est à 1950. Twitch, ils arrondissent en fait. Mais là, on est à 1991. Donc, on y est quasiment là. On y est quasiment, les gars. Puis là, sur YouTube, on est à. Attends, je vais vous dire. Sur YouTube, là. On est à 13 980. Encore 20 abonnés, on est à 14K. Voilà. Voilà, les gars. Bon, bah, sur ce, bis à tous. Passez une bonne soirée. Je vous envoie. Bah chez le fils Alestat, on va lui en faire une invasion de bolos, il va rien comprendre, ça va être rigolo. Et puis rendez-vous demain, hein, même endroit, même heure, donc demain, je sais pas ce qu'on va faire, je pense qu'on va peut-être brancher la Saturne. Hein, parce que là, vous avez vu, il y a tout un tas de jeux à essayer. Mais demain, on va faire du rétro, hein, voilà, je suis pas encore décidé. Ou alors le Twin Stick, session Twin Stick, voilà avec les jeux, je sais pas, on va voir ça. Demain, je mettrai le post en fin de matinée comme d'hab. Bis à tous, je vous envoie chez le fils Alestat, et puis bah... Comme d'hab, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.